Mais il reste à distance respectée. Il nous tire dessus, il nous tire dessus, ce fils de pute. J'ai combien de missiles? Beaucoup. 60. Je crois, je sais plus exactement. Non, 32. Que 32? Ouais, que 32 là. Après, je pense qu'on peut en équiper plus, mais par défaut, là, j'en ai 32. Oh, il y a un sabre comète aussi là. Eh, du monde, hein? Il y en a un qui a apporté, il y en a un qui a apporté là. Où ça? Ah ouais, il a porté lui. Tenez. Je vous donne de l'angle. Ouais, pas pour moi. Parfait, pas parfait, pour parfait. J'en ai pas. T'as pas d'angle? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, tant que tout le monde. Ne tirez que si vous avez le petit opercule là hein, sur les trucs, sinon ça sert à rien ce que vous faites. Hein. Ouais, que quand vous êtes dans. Tiens, on le fait fier. Faut se rapprocher de Spoon, non. Il a pris cher là, et là je l'ai mis cher. Il y a un troisième qui arrive, non? Quatrième même, ils sont quatre. Il va mourir, il va mourir, il est en train de péter. Le Hurricane est en train de crever. Là c'est moi qui est en train de prendre cher là, je prends cher là. Ouais, il te balance des missiles. Oh le chien, dégale. C'est moi j'ai balancé un missile. Y'en a un qui est mort, y'en a un qui est mort. Oh j'ai du Crimstat à fond, c'est moi qui l'ai défoncé au missile. Ah oh, c'est bon. Bah je l'ai occupé, je l'avais bien... Ouais ouais, tu l'avais bien baissé et du coup j'ai balancé deux missiles. Putain j'ai plus d'elle. Je suis mort. Ah trop bien. Les mecs sont chats. Un chasseur Thomas. Je suis reviens. En bizarre mec là. Ouais mais tu prends un truc et tu reviens et mais pas forcément pour te barrer dans... Non mais tu viendras rentrer dans le Hammerhead pour venir à une tourelle. Ouais, mais au pire, vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer. Oui, oui, on a là. Ou alors tu t'amuses à faire du combat. Non, il est trop loin encore. Au lieu de mettre, il est trop loin. Ouais, il est trop loin. Beaucoup trop loin. Il reste bien à distance, lui, il est très prudent. Il sait qu'il se fait toucher, il meurt. Hein. Franchement, celui qui a explosé, là, il a fallu que j'en mette plusieurs. Hein. Et à mon avis, Spoon, il en a mis aussi. Hein. Il y a surtout un missile qui l'a explosé quoi. Ouais c'est moi. Il y a bien l'autre. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai eu du Crimstad donc je sais que c'est moi qui l'ai eu. Nice. Quoique c'est pas logique parce qu'ils étaient ils étaient rouges et normalement les mecs rouges quand tu les tues ça fait pas de Crimstad. Ah ouais, ouais. Ouais. Ah sûr et certain, je peux te garantir que je l'ai fait plus d'une fois. Bah ouais c'est vrai. Et pourtant j'avais pas de Crimstat ou alors j'ai fait Ou alors c'est le fait que tu pilotes mon vaisseau et que t'es pas sans... Non remarque, non, on est en groupe, je crois que ça le fait pas. Non. Il s'est barré l'autre? Ça a l'air. En même temps il y en a... Moi je les vois encore mais ils sont... Ah là voilà, j'ai perdu le contact. Je les vois plus depuis bien longtemps. Ouais non, c'est bon, ils sont partis. Mais oui moi je suis sur le dessus du coup j'ai une belle vue. Il y en a un droit devant nous. Bah toujours ZDF Felam. C'est une team en fait hein. Ouais. Doucement mais sûrement, ouais. Ouais. Je vais me poser sur Grim parce que si je recrève. Ouais, ouais, bien sûr. Bizarre quoi. Mais tu vois, le Vanguard, franchement, moi je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus solide que ça, tu vois. Ouais, il est lent. Et il est lent et solide parce qu'il a deux shields. Il a double shield. Ah, il est troué au milieu, le. Ouais, et tu peux passer. Je l'ai fait une fois, je suis passé avec un Ox, tu sais, la petite moto de l'espace là. Je suis passé au centre. Par contre, c'est vraiment dommage que le scan fonctionne pas. C'est parce qu'on a pas trouvé ou alors c'est bugué, mais c'est fait pour fonctionner quand même. Ouais, mais c'est... Normalement, la touche fonctionne quand même. Non, mais dépensez pas d'énergie pour rien en fait. Enfin, faites ce que vous voulez, mais. C'est pas vous qui payez l'électricité. Ouais! C'est pas Versailles ici! Ah bon? Non, c'est Hammerhead. C'est plus grand que Versailles. Le Hornet 2 km devant. Il se barre là. Ouais, il se barre là. Eh, c'est une team, c'est une team.
L'autre, il est à 14 km. D'accord. Je pense qu'ils attendent d'être à plusieurs pour pouvoir venir nous voir. Ce sera très amusant. Je les tente, parce que c'est une team, en fait. C'est les ZDF, là. Les SDF. Ouais, moi, je vais les appeler les SDF, ça va plus vite. Ouais, je pense, ouais. Ce qui est trop bien, sur mon radar, je vois aussi l'orientation de vos toiles. Oui. Je peux surveiller si tu es bien sur la même cible. Derrière, Fenwen, il est à 11 km. Non, il est à 11 km, laisse tomber. Merci, lui. T'as du taille 1 et du taille 4 t'as du taille 4 et du taille 1 sur le Andromeda. Il est à 9000 km maintenant. Ouais, enfin, l'Andromeda, mec, je vais pas... Et le shield, tu te pètes en 2-2, ça sert à rien, je pense. Je sais, non, mais on parlait des missiles. Felham, ouais. Felham s'approche, là. Ah non, il s'éloigne. Ah non, ils sont prudents. No more space Twinkies. C'est quoi ça? Des Twinkies, c'est une espèce de comment on appelle ça, de viennoiserie dégueulasse américaine, hyper grasse et hyper sucrée. C'est un peu le cliché, le Twinkie, c'est un peu le truc des gros, voilà c'est quoi. C'est pas, effectivement. C'est un peu fat shaming. Voilà. D'ailleurs, pour info, pour ceux qui ont du mal à bouger leur tourelle parce qu'ils la trouvent trop lente, si vous avez un bouton sur votre souris qui permet d'accélérer la vitesse de la souris, c'est le DPI et machin. Ça change la vitesse de la tourelle parce que c'est mal programmé et du coup en fait la vitesse de la tourelle est infinie. Non, c'est bien programmé au contraire. Fellman 7 km. Ouais, il se rapproche. Laissez-le approcher. Ouais, tirez pas. Faites style, on l'a pas vu. Pour les gars. Ouais. Bon, perso, je vais déco parce que c'est un peu tard en fait. Okay. Et, d'accord. Demain je me lève à 5h. Ah, ok. Ah, ouais. Courage alors. Au passage, si tu l'as loqué. Si tu l'as loqué. Non, pardon, Elion, je te disais. Allez, à plus. Ciao, bisous. Ouais. Si tu l'as loqué, il le sait que tu l'as loqué. Ouais, je sais. Ça le stresse, du coup. Comment on le déloque, alors? Je sais plus. Je sais pas, ça, ouais, pour déloquer. Je sais pas non plus pour... Tu lui envoies un petit message en VOIP, je t'ai déloqué, vas-y, arrête. Ah, y a... ouais. KS, ah si, tu changes de cible et ça te le déloque, en fait. Mais si t'as plusieurs cibles. Donc on je ne sais pas comment supprimer une cible, tu vois, un target en fait. Mm-hmm. Pour enlever la target en cours. Ça, je sais pas. Tourelle, Lyon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Par contre, c'est chiant. On les engage ou... Ah bah tu peux toujours essayer, mais on est un peu loin, quoi. Oui, ils attendent du soutien. Je sais pas. Nous, on attend Spoon, qui est notre rabatteur. Ah ouais, tu fais la chèvre. Tu vois, tu les engages et après tu fuis vers nous, tu vois. Tu te caches sous le Hammerhead. Mais il y a pas de mais. Allez. Je vais prendre le Hawk. Ah, 4 km. Non, il bouge plus. Vous voulez que je prenne le Hawk ou le Arrow? Ce qui t'arrange. Le Arrow. Arrow est plus rapide, plus maniable. Du coup, c'est c'est un peu ce qu'il nous faut pour ramener vers nous et pour esquiver. Okay. Il y en a un qui nous contourne. Et il y en a un au-dessus de nous, un qui nous contourne. Je viens de changer de tourelle hein, pour information. Mm-hmm. Je vais prendre Charles. Tu es où? Ah, je suis de ton côté, mais. Ah merde. Par arrière. Attends, bah, dans ces cas, j'ai passé de l'autre côté. J'ai les armes d'origine. Alors, pour info, il y en a un qui nous aborde par arrière gauche. Sauf qu'on est en train de tourner, ça va devenir le front dans pas longtemps. Là, il est sur la gauche, au-dessus de nous. Mais il a compris qu'on tournait, donc il arrête. L'autre est en train de se ramener derrière nous. 4 km, 3 km. Non, 4 km. Putain, je suis plus derrière. Fais chier. Non, c'est pas grave. Moi, je le vois bien, hein, tu sais, avec la toile du dessus. Ouais, bah, c'est pour ça que je t'ai laissé. Elle est très sympa, la toile du dessus. Mmh. Là, il est en train de passer à 3,8 km. Il est sur la droite du vaisseau. Non, la gauche du vaisseau, pardon. Attends. Faut que je repère Kingston. Ouais, là, je l'ai perdu de vue. Ouais, il est en dessous de nous. Ok, j'ai. Ok,
4 km et l'autre est à 7. Il y en a un vert qui vient de popper, qui s'appelle The Rossic Lucian. Mais pareil, il fait pas de show, hein, il s'éloigne. C'est bien comme ça, c'est la fonction du Hammerhead, ça tient les gens à distance. C'est des boucliers très larges qu'il a. Ça tient au respect. Mmh. Ouais, ils sont bien au-dessus de nous. Ouais. Je veux... Moi non plus. Ils sont éloignés suffisamment. À part un... Ouais. Très proche. Mmh. Mais il va s'éloigner. Il nous nargue en fait depuis tout à l'heure. Ah, ils ont récupéré... T'as vu, il y en a un qui a envoyé un message. On a récupéré notre drogue. On aurait dû rester sur Jumptown, les gars. Ouais, bon, c'est pas bien grave. Et là, il est à 5 km. Ouais. Bah, il repart. Ouais. Spoon, tu viens? Allô? Spoon? Ouais. Je t'entends pas très bien, mais du coup, ouais, tu viens ou pas? Sinon, on peut aller à lui, hein. Je sais pas combien de... Mais j'arrive, tu viens dans pas longtemps. Ça, c'est une bonne idée. Jump sur Grimex. Faut les empêcher de vendre leur drogue. Dante, c'est à toi de piloter. Tu peux faire un saut sur Grimex? Dante? Non. Ah non, c'est pas vrai, le pilote est AFK? Bon. Je sais pas, c'est pas lui qui part. Non, je suis là, excusez-moi. C'est bon. J'ai programmé la course. Je cherche Grimex. Hop, c'est là-haut. Ouais, c'est le Westpoon. Fais demi-tour. Ouais, c'est le Westpoon. Hein. Ah merde. Ouais, voilà, c'est ça. Hop. J'ai pas fait gaffe, il est habillé mon vaisseau, putain. Ah, j'ai une inertie. Bah oui, disons que... Je dois sortir de l'atmosphère. Ah bon, on n'était pas sorti. T'as quelle altitude, là? Altitude 10 000. Oh putain, on a encore 20 km à faire. Ouais. Oui, chaud. Ouais, ils auront le temps de... Donc, pour info, la cible qui nous intéresse, c'est le mec qui s'appelle ZDF-CC Fire. C'est toutes les cibles. Ouais, toutes les cibles, mais... ZZ tiré quoi? Fire. CC Fire. Bah, je vais l'attendre à Grim, alors. Ouais. Pense à te mettre en dehors de la zone de non-tir. Parmi 6, ouais. Ils nous disent des conneries, enfin... Pour info, j'enregistre. Si ça, je mettrai le truc sur YouTube, sauf si ça vous embête, bien entendu. Mmh. Mmh. Le problème. Par contre, ça. Ouais, mets-toi avec un meilleur angle pour sortir. Oui, non, il faut pas que tu vises le Grimex, il faut que tu vises le 90 degrés par rapport à la planète. Pour sortir plus vite, ouais. Je m'en suis rendu compte qu'après, j'étais resté sur Grimex pour le quantum. What? Pourquoi ma vitesse elle pourquoi je m'arrête là? T'as du fuel? Ouais, 49. Ok. C'est 49, ouais. C'est bizarre parce que mon altitude continue à monter. Ah mais c'est bon, ma vitesse reprend. C'est peut-être juste l'inertie en fait. Ah oui, non, parce que... Oui, c'est normal. C'est complètement normal. C'est l'inertie de ouf, quoi. Mmh. Mec, c'est Arthotrox. Ça me dit rien. Mais est-ce que tous les pseudos qui sont précédés de ZDF, c'est feu sans sommation? Okay, bah... Mais de toute façon, une fois qu'on arrive à Grimex, une fois qu'on arrive à Grimex, on tire sur tout le monde, d'accord? C'est très simple. Mais Spoon, t'as pas besoin de faire le héros hein, tant qu'on n'est pas là. Va pas te faire crever. Ski, ok.
Ah, je vois pas les gonzios, hein. Ils sont peut-être allés vendre ailleurs. Il y en a qui vont sur les skis, il me semble. Donc ça se trouve, ils sont sur les skis en dessous de nous. Oui, bah c'est pas grave, on défoncera les quelques cons qui se trouvent à Grimex. Ouais. Si ça se trouve, ils nous ont fait du bluff. Ouais. Oui. C'est maintenant qu'ils sont agités. Ils bluffent Martoni. Quelle est l'altitude? 30. Ah bah, du coup, on va sortir, là. Ça y est, on vient de sortir. C'est parti. Ouais. Oh, je fais des images, là, pour la vidéo. Ouah. Ah, c'est quelque chose, hein. En vue extérieure, c'est magnifique. Caterpillar, quoi. Ouh, Emerald contre le Caterpillar, ça pourrait être pas mal, hein. Le Caterpillar s'est fait exploser. On le déboîte. Mais merde. Hop. Est-ce que, comment on voit que c'est des PNJ ou... S'ils ont un espace dans leur nom, ce sont des PNJ. C'est un PNJ. Voilà. C'est pas grave, les PNJ, on les défonce aussi, hein. C'est marrant quand même. Ouais. Ouh, il y en a un qui est rouge, en effet. Ouais. Alors lui, là, Renov B, ça, c'est pas... ça, c'est pas un... C'est un PJ, ouais. Par contre, vu sa distance, il sera peut-être dans la No Fire Zone. Pas certain. Hein. Vas-y, approche furtive avec un Hammerhead. Débrouille-toi. Essaye de... Non, si je vais pas me taper tous les astéroïdes, là... Vol de manière détendue. Décontracté. On va décontracter, merci. Il y en a qui connaissent. Vol l'air décontracté. Ouais, je sais pas moi, vol l'air décontracté. Han Solo à Chewbacca, quand il... Non mais là, je comprends pas ce que je vois, parce qu'il n'y a pas de pseudo là-dessus. Non mais là, on tire sur de la roche, hein, c'est débile. C'est marrant. On le scanne en fait. Ah, Air One, baisse-toi. Descends à gauche, voilà. Lui là, ouais, voilà. C'est bon. Oh, on l'avait pas déjà rencontré lui. Ah oui, t'as raison. Oui, tu as raison, Boubou. Je vois pas. Ouais, il vient de passer derrière nous. Je me rappelle, on l'avait vu chier. Il a pas l'air de. Hier ou aventure. Mais c'est... Ouais. Ouais, il est parti. Non, j'ai l'impression qu'il revient, je le suis. Oula, attends, il y en a un autre. Non, il se barre. Envy, F7C Hornet. ZDF. ZDF fait l'âme, il arrive. Ouais. 14 km. Ouais. Reste immobile maintenant, Dante. Mets-toi limite en stealth. Non, lui fais pas toucher à ça, s'il te plaît. Parce que j'ai pas envie que ça change les niveaux d'énergie. Je peux pas tirer. J'ai pas d'angle. J'ai un angle, moi. Au pire, alors... Non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Ok, alors on est encerclé. Il y a Chrome qui arrive. C'est un PNJ. Chrome qui nous arrive par derrière. Ouais. Il y a ZDF à 6000 mètres. Ouais, je vois. Chrome sur notre gauche. Ghost, hein. J'ai pas les types de vaisseaux dans mon équipe. Tu m'as tué tout à l'heure avec le Vanguard. On peut pas tirer là, on est dans la zone d'armistice. Hein. Ah putain. Il arrive par derrière. Oh là là. Il arrive par derrière, il est derrière le rocher. Qui vont en prendre plein la gueule. Il y en a deux, je crois. Toujours dans la zone d'armistice. Il arrive, les gars. Appuie sur ce. Tu sais. Ouais, bref. Eh mais dégagez de là. Ah c'est putain, bon, moi pas. Enfin, moi je peux tirer, mais je veux dire, j'ai pas la cible. Ah, mais j'ai plus de cible, alors là, j'ai plus de cible. Non, mais. Là, je sers à rien, Loshi. En zone d'armistice. Le problème, c'est que vous les attendez trop en zone d'armistice, quoi. Ah, il est là. Fellman, il est à 1,4 km devant nous là. Non.
Non mais là on tire sur des rochers, on tire sur des rochers, on tire sur des rochers. Pour faire l'âme, c'est de la merde. Non, c'était pas sur Félam, hein. J'ai tiré, c'était sur Chrome. D'accord. J'ai plus l'angle. Ouais, non, ça va pas du tout. Il faudrait que tu recules un peu. Il y a un mec derrière vous. Oui, je vois. C'est Chrome. Ouais, il se barre. Non mais. Ouais, bon. Tu D'accord. Aller, bah, alors maintenant, si tu fais ça, il faut que tu te fasses une rotation sur l'axe central du vaisseau. Putain, comment dire ça? Lacet, t'engages. Le roulis plutôt. Ouais, roulis. C'est comme ça si tu veux. Voilà. Encore. Bah oui, tu nous as élevé par rapport au truc. Donc maintenant les seuls sont en dessous. D'accord. Ok. Non. Tu tires sur un rocher. Ouais, on tire sur un rocher. Mais regarde, essaye de rejoindre Spoon sans entrer dans la zone d'armistice. Remarque non, attends. Je te dis de la merde. Non mais là Renov B qui est on the move, qui se barre sur la droite du V, en haut à droite de nous. Ouais, je sais, je suis ici. Mais il est trop loin déjà. L'âme, il va vendre sa. Moi, je pourrais tellement les rattraper. Oh, il se barre, ouais. Il se barre, fait l'âme. Ouais, mais il est trop loin. Je l'engage, hein. J'ai pas de visuel, moi. Je sais même pas sur quoi vous tirez. Là, j'ai un rocher entre nous. Je l'engage. Mais ils sont en dessous de nous. Fais encore du roulis. Ouais. Non, mais il est trop loin. D'accord, ok. Je vais le ramener vers vous. Ouais. Je vais faire style que je l'engage. Se barrer. J'ai plus d'angle. Super honnête. Ah, moi je suis. Quoi, l'ami? En fait, c'est vrai qu'il faut un copilote qui observe en fait en vue extérieure ce qui se passe pour dire au pilote comment manœuvrer quoi. Il va faire un quantum, je pense. Non mais ça fait partie de l'apprentissage là ce qu'on fait, c'est ouais, bien. Ouais, c'est génial. Tour carrière hein, pour s'amuser. Hein. Bah go carrière. Au pire. Alors attends, je vais juste réparer mon vaisseau parce que. Attends, fais la main en train de bouger, fais la main en train de bouger. Non, il est en train d'atterrir. Ah, en train d'atterrir ou en train de décoller? Félam est en train de se dégager, oui. Félam, il se barre. Hein. Non, il va se caler, je pense. Qu'il reste un armistice, ouais. Il est pas con. Bon. C'est vrai, il y a un PLG, mais il est à 22 km. Ah, encore 30 secondes. Ok. Je vous propose un truc. Je vais prendre les commandes. Et on va aller faire une mission contre des PNJ déjà, qu'on explose des vaisseaux qu'on connaît et qu'il y ait un peu de fight cohérent. Et comme ça, qu'on apprenne déjà à viser, à tirer et à se positionner. Dan, tu peux prendre une tourelle, s'il te plaît? Ouais. Je vais juste réparer mon vaisseau. Et Spoon, tu voudrais pas nous rejoindre, éventuellement? Allô, Spoon? Oui. Tu voudrais pas nous rejoindre à l'intérieur du truc là, du Hammerhead? Il veut pas que j'excite, attends. Ah merde, ça te fait ce bug là? Ah, si ça te fait ce bug là, c'est mort. Tu pourrais pas sortir? Non, tu vas devoir rester pilote. C'est pas grave. Du coup, je vais sortir de là. Et non, ça m'a. Je crois que toi t'es installé, peut-être que je peux sortir. Non, mais ça m'a déjà fait le bug, mec, on a pas trouvé la solution. Mais c'est pas grave. Tu peux me tuer ? Oui, mais tu vas ripop à Olissar, non ? Ah ouais. Bon, c'est pas grave, au pire. Il a fallu que je me log et délogue dans un lit. Ah, mais ça fonctionne pas encore, ça. Non, ça fonctionne pas encore. Sinon, enfin, les gars, il faudrait quand même un rabatteur. C'est... Je vais vous rejoindre avec mon Aurora et après je ferai. Je rentrerai par l'espace dans la. Non, mais tranquille. On va aller. On part de Olissar. Éventuellement, Spoon, tu viens avec nous dans le Hammerhead, ça te branche ou pas? Bah, je l'ai déjà testé moi le Hammerhead. Après, j'aime bien, mais j'ai envie de faire un peu de fight quoi. D'accord. Bon, alors, je vais venir. On vient te chercher à Olissar. Pas la peine de faire popper ton Aurora ou je sais pas quoi. Je suis à Grimex moi. Ah bon? T'es à Grimex? Ouais.
Ah, on se fait aggro, on se fait aggro. Par qui? Bah, comment tu veux que je le sache? Je suis... Bah, target, non? Non, mais... J'ai toujours le ghost. J'ai le ghost en visu, mais... J'ai un Anvil Hero. Non, c'est toi. Non, j'ai le ghost. Il est là. F. Le Hero, c'est Spoon, je pense. C'est le Spellman. Putain, je peux plus tirer. J'ai tiré trois fois. J'envoie des... dessus les gars. Ah ouais, wow. Mais... Je peux pas tirer parce qu'il est dessus. Ah, il faut que je le mette dessous, d'accord. Ah non, il y a aussi Boulet qui est dessus. Bon bah décidez-vous. Plus bas, plus haut, dites-moi, n'hésitez hein, pas. Hein. Comme tu veux, fais ta plaise. On s'adapte. C'est vrai que vous avez des angles de tir à 180 degrés, donc finalement, le hammer ouais. Peut se mettre un peu n'importe comment. Il n'y a que la tourelle de au-dessus, en fait, qu'il faut orienter vers le fight. Il prend cher, les gars, aidez-moi. Ah, je peux plus. Pas toi, Boulet. Boulet, dis-moi un peu la position que tu souhaites. Moi, peu importe, de toute façon, on switch, donc du coup... Ouais, on switch, en fait, avec Boulet. Donc, quand il est au-dessus, c'est Boulet, quand il est en dessous, c'est moi. Ah, ça a touché. Bien joué. J'arrive pas beaucoup à le toucher, moi. J'ai touché. Voilà. Crève pas, ce con. Il y en a un autre. Oh, restez sur la même cible. Ah putain, je peux plus tirer. Ça, par contre, c'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment... T'as un peu du mal toi aussi avec ton ghost hein. Ah, faut plus tirer. Le ghost. On est sur lui à 100%. C'est sur lui qui tire. À toi Boulet. Voilà, il y a un connard qui me tire dessus quoi. Mais j'aurais bien un peu d'aide. Et ben on... Je vous ai mis toute l'énergie sur les weapons. J'aurais dû faire ça dès le début. J'ai plus de cible. Okay. Comment ça? Ouais. Parce qu'il passe dessous. Dessus. Je peux sauter. Il a perdu des shields. Il a une aile endommagée. Et il s'éloigne. Ouais. Il y a un mec qui est en train de poursuivre... Le gars, il rentre en armistice, ce fils de pute. Quelle grosse merde. L'Aurora, c'est moi, les mecs. Hein. Allez, c'est bon, il a pris cher, là. Mais c'est... Putain, c'est... En fait, faut quasiment pas que tu bouges avec le... J'ai l'impression... Avec le raid. Ouais. Ouais, parce que pour viser après, ça vous. Ça bouge dans tous les sens et c'est impossible. D'accord. Ce mec. Bah, je bouge plus. Tu peux rentrer dans la mer. Putain, t'es sûr que c'est vraiment le moment de faire ça, putain. Le problème, c'est que. Spoon, tu reviens vers nous. Ouais, Spoon revient vers nous en fait. Il est mon vaisseau, il a chargé, hein. Je l'ai. Il se barre, de toute façon, on est en train de repop ses shields. Mais justement, reviens sur nous. Je vais prendre mon rock. Je pense que le lock, je vais vite terminer avec lock. Hein. Ah ouais, c'est ici, là. Ouais, mais la soute avant, il faut quelqu'un pour te l'ouvrir. Je pourrais pas te l'ouvrir. Et on va pas... Vous aurez une tourelle en plus quand je serai rentré. Ouais, bon, bah, Boulet, tu t'en occupes. Ouais. Quoique, non, tu peux y aller, hein. Toi, tu... Ah, oui, remarque, oui. Ah, trop tard, c'est bon, Boulet, tu y vas?
D'accord. Est-ce que tu as éventuellement tes lumières on, machin, là, qui va nous rejoindre, Dante? Ah, il cherche le hammer. Non, 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 non. Est-ce que tu peux couper tes lumières, éventuellement? Je sais pas si c'est ça. Ah non, ah non, mais c'est pas la lumière, c'est l'étoile, en fait. Il y a la lumière, il y a les phares sur Est-ce qu'on peut éteindre le soleil, s'il vous plaît? Je suis devant la porte. Vous pouvez descendre. Ah oui, ça, faut plus que je bouge. Pardon. Ah, il a les boules, le mec. Allez, il est à côté de moi. Ouais. Ils veulent qu'on revienne. Je sais pas ce qui se passe, mon vaisseau arrête pas de bouger. Avec ton gosse là, putain. Mec. Boulet, je te compte sur toi pour me tenir informé. Paris va vous attaquer. Hein. Ok, je me remets dans la tourelle. Le hoc. Je vais directement le MP parce qu'il nous fait chier. C'est bon, je peux commencer à avancer? Bon, on est bien là. Non, non, mais on va se diriger vers les cibles. Vu que Spoo n'arrive pas à les ramener. Vous allez faire quoi? Je rentre pas dans la zone, hein. Je rentre pas dans la zone. Les deux sont... Ok, les deux sont là. Ils sont prêts. Vous pouvez allumer, là, ou pas? Est-ce que quelqu'un peut tirer? Si, vous pouvez tirer, je... Ah oui, on peut tirer, mais on peut pas... Mais évidemment. Le truc, c'est que tant qu'il est dans la zone d'armistice, je crois que les dégâts sont cancelled. Que pour les missiles. Ah, bon à savoir. Bah, il y en a un droit devant nous. Hein. Vous le voyez pas là, ZDF, là? Vous le voyez pas droit devant nous? ZDF, KSTAX. Il prend pas un pet de dégâts. Il prend pas un pet de dégâts. Les gars, moi je vais le surveiller. J'ai pas d'angle. C'est pas évident. Je suis désolé, je manœuvre un tout petit peu. Mais merde. Ah, j'arrive plus à les cibler, il fait chier. Oh, c'est ce que tu veux, l'ami, il marche pas. Vous me dites, hein, si vous voulez que je change un angle ou quoi, n'hésitez pas à m'informer un peu, parce que j'ai aucune visibilité. Hein. Là, j'arrive pas à le cibler. Ah. Oh putain. C'est trop. Est-ce que je prendrais pas le... Pourquoi j'ai pas de réticule? À 3000 mètres, je suis peut-être pas porté. Non, 3000 mètres, t'es pas porté. C'est combien? La portée. Alors, l'un d'entre vous, je crois que c'est le mec qui s'appelle ZDF AKS quelque chose. Il a un Unreal Hornet F7 Air Tracker. Vous lui faites aucun dégât. Oui, non, mais t'inquiète pas. Je lui tire dessus, mais je vais pas avoir mon viseur dessus, je le touche pas. Dégage, grosse merde, quoi. C'est pas le viseur, hein. T'as un petit réticule au bout, tu vois, qui suit ton viseur, ouais. Avec le rond, hein. Ouais. Mais c'est le rond qu'il faut mettre. Passe-toi, toi. Merde. D'accord, il reste du même côté, toujours du même côté. Je vais piquer mon vaisseau. Dégage. Qui veut te piquer ton vaisseau? Héros, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas comment on fait pour voir les gens, attends. Touché. Ah, il se barre. Je lui ai mis la famille au cul. Ouais. On voit ça. Ah, il se barre. Spoon, si tu veux de la sécurité, tu viens avec nous. Hein. Moi, je vais pas te rattraper. Hein. Bah, mec, je suis encore sur les mêmes et je crois qu'il y a un espèce de gitan qui veut me voler mon vaisseau. T'sais. Kareb Oniski. Non, c'est un Onishi, ouais. On voit toujours tes missiles dans
dans l'espace. Mmh. Ah bah non, c'est la sauce. Ah, il y a le Aurora de Bidule. Vous pouvez le détruire. Allez, entraînez-vous. Une cible fixe. Mais bon. Bon, ça va, ça fonctionne. Tu veux lancer une mission du coup? Je me fais tirer dessus là? Non, attends. Oui. Mission de patrouille. Non. Ils s'occupent. Ils sont pas bons les gars? Ils sont barrés. Ils sont barrés. J'ai lâché une flopée de missiles, ils ont fait demi-tour très très vite. Enfin, il non, a fait. Il était tout seul. Même la mission de patrouille, ce serait pas sûr de la réussir parce qu'en fait, il faut un. On a un temps limite pour atteindre des points et en fait, c'est des... ils se traînent tellement qu'on serait hors temps. Vous êtes où? À côté de Grimex. On va traverser Grimex, on va à 62 km de Grimex. Une fois sur place, il y aura un vaisseau. Ils sont agités. Hein. Ils empêchent des gars d'aller aller sur JT. Hein. On n'a pas assez de fuel pour aller sur JT et en revenir. Ah merde. Bah on n'en revient pas, on y va. Non mais le temps qu'on y aille, ils auront le temps de faire 4 allers-retours, mec. Ouais mais non, ils sont en train d'empêcher d'autres gars. Tu vois, ils disent désolé, la contrebande est fermée. Mmh. Tu vois, donc c'est Fire, ouais, ils font pareil en fait, ils ont fermé JT. On pourrait y aller pour les défoncer. Bon bah dans ces cas-là, faut que je passe à Port-Olissard pour faire le plein. Parce qu'il revient le mec, hein. Il est toujours là le ghost. Hein. Il me tire dessus ce fils de pute. Suis-nous là, on est plus avec toi. Oh, faites demi-tour, on va le tuer. C'est non mais mec, tourner, hein. C'est à toi de nous suivre, c'est pas l'inverse. Ouais. Si possible. Et surtout, il est derrière un rocher, tu veux te prendre un rocher. C'est pas grave, restez calme. Ah putain, je me suis pété sur un rocher. Et j'ai pris des dégâts hein, en se prenant le rocher là. Bon, mais du coup, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il nous faut des rabatteurs, il faut plein de trucs. Alors restez calme. Je vous emmène dans l'immédiat. Je vous emmène sur un PNJ qui est un carter pilar. D'accord. Voilà. Si l'autre mec veut nous suivre, qu'il nous suive. Mais sinon, c'est pas grave. Bah, il s'en est pris tellement plein la gueule qu'elle a fait demi-tour. Hein. Tu prends un... Je crois pas, non. Je pense que c'était un missile, peut-être, mais j'ai pas eu de symbole. Pas sur nous. Quel kilomètre, tu l'auras pas. Quoi, le blé roulier. On est à 14 km de la cible. Ah bah c'est Onishi. Droit devant nous, un mec qui s'appelle Kareb Onishi, Drake Caterpillar, c'est un PNJ. Vous pouvez l'allumer dès qu'on sera à moins de 2 km. Je peux déjà l'allumer, moi. Non, il est rouge. Je veux dire, okay. Je peux pas... En haut, en dessous, j'ai aucune info. Ah, il est au-dessus. Il faut que je le mette... Pour que vous puissiez tirer, il faut que je le mette où? Tout droit, là, t'es bien. Il y a tant que les boulets qui pourront, t'inquiète pas. Ouais, moi, je peux... Dès que je peux tirer, je tire. Ouais. Ça va être... Tourne-le, tourne-toi un petit peu vers ta... Comme ça? Gauche. Ouais, comme ça. Non, l'autre côté, pardon, l'autre côté. Autant pour moi. Ouais, comme ça, Dante pourra tirer. Je vais essayer de mettre le gyro. Il y a un mode gyro ici? Ouais. Oula, mais je vais pas tarder d'arrêter. Allez, je vous rejoins dès que je peux. Je peux plus tirer? Ah si. Oh.
Ça se réchauffe quand même vite, hein, ouais. Mais il a des chiens malades, le cater. Ah, il y a déjà des... On dirait qu'il est déjà un peu en feu. Non, mais là, il est en train de souffrir. Ouais. Mais c'est bizarre, parce que ces shields, je les vois remonter instant, en fait. Mais du coup, là, il n'y en a qu'un seul qui tire. Enfin, on est... enfin c'est dommage. Moi, je peux pas tirer, je suis derrière. Mais... Ok, je bouge, c'est pas un problème. Boulet, toi tu tires là? On est deux, mais on attend que le système refroidisse. Ah bah, ça y est. En fait, c'est au bon bout d'un moment, on peut plus tirer quoi. C'est... Non, mais ça je sais, pas de problème. Voilà. Je vous ai mis toute l'énergie sur les weapons pour. Ça revient assez vite. Ouais. Bon, je vais sur ma mission maintenant. Donc on va à la fin de la mission, dans les derniers, enfin bref, il y aura un constellation. Il est bugué, mais c'est pas possible. Je peux même pas décoller, quoi. Enculé. On est placé comment sur les tourelles? En fait, il faudrait qu'on se mette. On est combien en tourelles? On est trois. On est trois. On est que trois. Il faudrait qu'on. Ben, un à gauche, un à gauche avant, un à droite avant, un sur la toile du dessus. Bon, on devrait se mettre du même côté, en fait. Ou du même deux côté. Deux à gauche et un sur la tourelle du dessus. Comme ça, les trois pourraient s'aligner. Il faudrait que tu montres tout le temps ton flanc gauche. Ouais, ouais. Alors. Moi, ça me va. Comme ça. Le droit, non, reste là où t'es. J'ai eu à droite. Ouais. Reste là. Donc le flanc droit. Ouais, je sais pas trop où je suis en fait. D'accord. Bah, alors voilà, ça c'est une très bonne technique. Très bonne idée. Le fait de se mettre que d'un côté, c'est une super idée. Là t'es à gauche. Là pour l'instant, je vois un seul mec dans une tourelle. Voilà, là il y a un mec dans une tourelle au centre. Il y a un mec sur la tourelle au centre, à droite, à l'arrière. Et c'est tout. Faut aller tous à gauche en fait. Moi je suis avant gauche, faut quelqu'un arrière Ah oui, pardon, non, je vois avant gauche. Pardon, excusez-moi, j'ai pris le vaisseau à l'envers. Avant gauche, et donc là il faudrait milieu. Ah voilà, c'est bon, je la vois se déployer. Ouais, oui, c'est le temps que j'y aille. Attends, ouais, pas de problème. Alors, switch et switch. Hammerhead. T'as du cargo, t'as beaucoup de cargo sur la Hammerhead? Non, j'en ai moins que sur le Cutlass, mec. C'est absolument ridicule. C'est vraiment incompréhensible. J'ai 40 de cargo, donc 4000 unités. Ben, c'est fait exprès, hein. Attends, c'est normal que t'aies pas de cargo, il est pas fait pour. Ouais. Donc ne tirez pas sur le vaisseau qu'on doit protéger, c'est le vaisseau vert, c'est pas la peine de l'aligner, il est gentil. Oh putain, cette vue du Hammer avec la planète et ses anneaux derrière. Droit devant nous, vaisseau rouge de type Aegis Glacius, 5 km en direction de la cible qu'on doit protéger. Et je vais me mettre sur la gauche. Enfin, moi je me mets sur la droite, mais pour vous ça sera à la gauche. Bon, j'arrive, putain, j'ai eu des gros bugs. Astin Kwebler, ok. Voilà, ça commence à popper là. Ne tirez pas sur le gentil. Hein. Soyez... Bah, mais la visée automatique, elle est niquée. Oui, c'est à chier. On peut la désactiver au moins. Vous êtes. On est dans l'espace, pas sur un point particulier, sur un point de mission. Attendez, j'ai un peu perdu ma cible. Je sais ce que je vais faire. Je touche pas. Et je tire trois coups et j'ai plus d'énergie. Pourtant, j'ai tout mis sur les weapons. Ouais, mais
Il y en a deux qui tirent comme des fous furieux. J'ai l'impression. Ouais, ouais, il faut y aller mollo. Pas fait pour les petits vaisseaux. Ouais, c'est aussi l'impression que j'ai. Alors, on s'éloigne, non? Tu t'éloignes, hein. Attendez, je suis en train de faire quelque chose. Bougez pas. Je sais pas ce que tu fais, mais on s'éloigne. Oui, oui, je suis en train d'overclocker les systèmes. Je vois plus, les gars. Il y a du monde, là. Ouais, là, ils sont 6. Alors, bougez pas. Je veux ce que tu veux qu'on aille. Voilà, je vais me caler sur le constellation. Au moins, lui, il bougera pas trop. Ça devrait aller. Quel est son nom? Quentin Rémy. Le nom, quoi. Oh merde, on a plus de shield. Oups. Ouais, ça c'est moins bon. YOLO. C'est bon, ça remonte. Mais genre, un constellation et 5 sabres, enfin, ça fait belle lurette que ta cible elle est défoncée, quoi. Putain de... Non, mais c'est constellation, c'est les nôtres, hein, qui sont des... Buggé. Les leurs, ils le sont pas. Hein. Nickel. Ah, il prend cher. Voilà. Là, il prend cher. Vous êtes si loin que ça ou quoi? Non, on est à 60 bornes de Grimex. Boum! Ah, bah, ça va vite. Hein. Constellation est pétée. Ouais. Par contre, il y a du monde. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des mecs. Il de nouveau. Il y a des. Pourquoi? Je peux jamais tirer. Non, je peux pas tirer. Ouais, je touchais une fois. Je suis sur Floyd Masterson, moi. Attendez, je vais arrêter l'overclock des systèmes parce que ça fout la merde. Boum. Harold Dungle. Excusez-moi pour le pilotage, là, dans l'immédiat, je suis en train de désoverclocker parce que c'était une mauvaise idée. Voilà, c'est bon. Je suis bien calé là. Ouais, apparemment vous arrivez à tirer. Ah ouais, ouais, on tire. Sinon arrête-toi, hein, bouge plus. Ouais, ouais, arrête-toi. C'est bon, les shields sont up, je vais remettre tout sur les weapons. En fait, je me fie à vos axes de visée sur les tourelles. Il y en a un juste à côté de nous, hein. Et Roll Dungle, ouais, mais j'avais plus de puissance. Non, en plus, j'ai plus de puissance. Putain, ils sont up. C'est chaud à toucher. Toucher deux fois. On se fait tirer dessus. C'est pas grave, ça. On risque rien. Vous inquiétez pas, les shields sont up et y'a aucun problème. J'arrive. Il y en a un au-dessus de nous qui va passer au-dessus. Bien joué, Choui. J'ai toujours rêvé de dire ça. Et les guns du Constellation, putain. Aldor n'a plus trop d'angle sur lui au-dessus. Il est à 200 mètres. Attendez, ouais, mais le problème c'est que vous suivez pas tous la même cible et du coup je peux pas m'aligner sur tout à la fois. C'est bon, il est mort. Il était à 200 mètres, c'était à bout de temps. On prend Al Stenquebler là. Ouais, je peux pas tirer. Moi j'ai une cible qui s'appelle Spoon. Bah, il est très blessé là, le Gladius. Hein. Genre, il lui reste rien quoi, c'est une saucisse qu'ils veulent. Voilà. Voilà. Une saucisse qu'ils veulent. Il y a un Constellation. Attendez, je vais vous le dire. C'est moi. Non, toi t'es pas en Constellation. Ah si, il est en Constellation. Si, si. Ah si. C'est bon, on a fini toutes les cibles. On a gagné l'émission.
T'as reçu l'argent? Je vais te dire ça. Mais oui, normalement, oui. Voilà, alors, tout ça pour combien de crédits? Ça va être bien ridicule. Je crois 1820 crédits. Je suis insulté par VDF. Hein. Ouais. Oh, mais à chaque fois que je fais F4, ça te met des jus de fou, quoi. C'est trop bon. Ouais. Ah, on est passé au-dessus d'une épave. De, ouais, de ouais, ouais, c'est pour ça que... Tout à fait. Il est où ton épave? Tire dessus, un petit peu. Je cherche l'épave. Comment on fait le comstad, putain. Ok. Je vais aller sur Olissar, si ça vous dérange pas, pour faire le plein, parce que là, on est quand même bien à sec. Pas de soucis. Ah putain, on est passé à côté du constellation, quoi. Une constellation, on dirait un petit cargo, quoi. Faites gaffe, je tire dessus. Non mais, il a plus de shield. Hein. Oui, mais moi je tire à côté. La constellation, c'est... Le shield, c'est une grosse merde. C'est... Le 22, il est bugué. Non, il est bugué. Qu'on prend, on se fait défoncer en deux secondes. Alors, je suis content parce que j'ai pris des dégâts sur le Hammerhead. J'ai envie de voir si ça coûte plus cher de réparer un Hammerhead qu'un vaisseau normal. Content d'avoir pris des dégâts. Ouais. Tu fais comment en fait, Olissar? Tu peux le poser ou... Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a de la place à Olissar. Oui, il y a de la place. Et ah, il y a de la place. Hearthstone aussi, peut-être, non? Hearthstone et Olissar, pour l'instant. C'est les deux seuls endroits que je connais où on peut le poser. Même pas les Red Stop? Je sais pas. J'y suis jamais allé. Attends, j'ai pas entendu Spoon, tu coupes en fait. Allez, moi je vais aller au dodo. Je vais vous laisser faire la couche pour se partir en Hammerhead. Ouais, je vais arrêter là aussi. Non, je pense que c'est la fin pour moi. Le Vanguard, il est énorme. Il est pas mal quand même. Hein. Ouais. Ah, et puis il est stylé, il est vraiment stylé quoi. Moi je veux vraiment, j'adore le design et j'adore le son de ce vaisseau quoi. Ah, carrément. Je suis amoureux. Tu m'as. Le Vanguard, mon gars. Pff. Après il faut que, de toute façon il faut qu'il règle les bugs parce que les vaisseaux là pour moi le shield du Vanguard il s'est fait péter trop facilement. Ouais, c'est n'importe quoi. Dans le shield du constellation c'est le même problème. Ce que j'aime bien aussi c'est l'intérieur du Hammerhead quoi. Il y a plein de couloirs et tout, j'imagine trop des. Et je peux te garantir que je suis sûr qu'il y a une partie que t'as pas vue. Ouais en haut. Il y a un étage supplémentaire. Si si. Ah ouais. Si, je l'ai montré du coup. Tu l'as montré? Avec la genre de cafétéria. L'ascenseur et tout. Et c'est trop bien parce que là tu pourras faire des séquences abordage. Est-ce qu'il sort d'ailleurs le Karak, il sort quand? Ils ont pris le sortir. Quoi tu seras prêt? Mais il a l'air d'être même pas. Tu fais un auto-landing ou tu te gardes pour de vrai? Bon, auto-landing dès que je peux. Normalement on pense Q3, non ouais, Q3, peut-être Q4. Ouais, ce serait pas étonnant. C'est quand même beaucoup plus facile de rester appuyé sur N. Bon, franchement, enfin avec les joysticks, ça, c'est vraiment, ça se fait tout seul. Non, non, mais c'est pas le problème. C'est juste que là, un gros vaisseau comme ça, c'est plus sympa de le centrer bien et tout. Ouais, aussi. Ouais. Alors les réparations, non, c'est de la merde. Sans crédit, sans crédit de réparation. Par contre, 2425 de restock de d'armes. C'est les missiles, je pense. Ouais, c'est les missiles. Ouais, c'est cher mec, ça coûte super cher. Hein.